C'est la première vidéo de la 42e semaine de publication quotidienne. Ça fait bien 42 semaines de suite depuis le mercredi 8 septembre que l'on sort des vidéos quotidiennement. Et de me donner un défi, du moins un objectif, c'est de sortir au moins une vidéo par jour jusqu'au 1er juin. Serez-vous de l'aventure? J'espère bien. Le Covid, malgré les différentes maladies que j'ai pu avoir, malgré les obligations familiales, personnelles et professionnelles, on a toujours tenu notre rang, notre pari de publier une vidéo par jour depuis le 8 septembre. Si vous avez suivi un peu tout au long de cette année mon périple, j'avais annoncé pour date butoir le 1er juin. Mais je m'étais dit, je pouvais pas partir comme ça, je pouvais pas dire au 1er juin, tiens, je rends les clés et on s'arrête là. J'ai prolongé un peu le plaisir jusqu'à ce jour pour vous annoncer, et profiter de cette vidéo pour vous annoncer que cette 42e semaine de marathon sera la dernière. L'une des dernières vidéos sur la chaîne YouTube pour cette année sera publiée donc le dimanche 26 juin. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vidéos après le 26 juin, il y en aura encore quelques-unes, mais pas à la même fréquence, pas au même rythme que vous avez connu durant toute cette année. Je vous l'ai dit, je posterai quelques vidéos de différents contenus, des vlogs, je referai bien évidemment quelques vidéos touquées. Bien évidemment, je vais prendre surtout un peu de temps pour moi, pour me reposer, pour passer du temps avec ma famille, au vu de la sortie de NBA 2K23 en septembre prochain. Vous avez très probablement beaucoup de questions à me poser par rapport à cette année écoulée, par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé, par rapport à mon futur aussi. Quel va être l'avenir de la chaîne YouTube l'année prochaine? Est-ce qu'on va repartir sur le même rythme? Est-ce qu'on va continuer de streamer? Est-ce qu'on va se diriger vers d'autres projets? Est-ce que tout simplement on va arrêter les streams, on va arrêter YouTube? Voilà plein de questions que vous avez très probablement en tête, et c'est pourquoi je profite également de cette vidéo pour vous annoncer une FAQ. J'en ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, c'est la première fois, et j'avais en tête d'en faire une, notamment après avoir atteint les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est souvent de coutume de faire des FAQ, et du coup je m'étais dit, je vais attendre d'atteindre ce palier des 10 000 abonnés avant d'en faire une. Du coup, c'est pourquoi je vais vous préparer une vidéo dans quelques jours ou la semaine prochaine dans laquelle je répondrai à toutes vos questions. Je prendrai les plus pertinentes. Donc, soyez libre de poser les questions qui vous passent par la tête, bien évidemment. Toutes les questions à base de trolls, sincèrement, on mettra de côté. Également, sur Twitter, j'ai annoncé que le dernier jour de publication de vidéos sera le dimanche 26 juin. Et j'ai fait appel à vous pour savoir notamment quelles sont les vidéos que vous souhaiteriez voir pendant cette dernière semaine de publication. Je vous mets le lien du tweet dans la barre de description, n'hésitez pas à me dire toutes vos idées. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir maintenant sur le futur proche de la chaîne, sur la fin du marathon. Vous savez que le dimanche 26 juin, le marathon va s'arrêter et que très probablement, une fois que j'aurai assez de questions pour faire une vidéo FAQ, je publierai la vidéo, si possible, le 26 juin. Sinon, je la posterai dans la semaine qui suit le 26 juin. Merci à tous pour le soutien. L'année touche bientôt à sa fin, mais je compte encore vous réserver quelques bangers. Merci pour cette année qui aura été incroyable. On n'est pas encore à la fin, donc les remerciements ne se feront pas maintenant. Et évidemment, dans la barre des commentaires, n'oubliez pas, posez vos questions. Je prendrai toutes les questions pertinentes qui seront laissées dans la barre de commentaires. En attendant la prochaine vidéo, demain, qui pour le coup sera peut-être une vraie vidéo gameplay, portez-vous bien, passez une bonne semaine et bon courage à ceux qui passent le bac ou différents examens. Faites gaffe à votre boss, comme on dit chez moi. God bless. Peace.